Bonjour tout le monde, c'est Hitchaman. Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite des Demosaurus 25. C'est ça. Et on va se retrouver encore avec un jeu à scrolling horizontal. Ouais, tout à fait. Donc, avec encore une réadaptation d'un jeu des années 80. Ouais. Fait par Konami à la belle connu, époque. Hein. Parce que je le connais pas en fait. Ouais, mais normal. On va mettre sur la recrue. Tu n'avais pas joué ouais. Moi non plus, je ne date pas des années 80 non plus, c'est pour ça. Rush ouais. And Attack, hein, ouais, expatriote, ouais. C'est parti. Ouais, ça sent le Rogue Warrior du pauvre là. Non, ça sent surtout MGS là, vous allez voir. Siberia, Russia, 1908. Ah putain, c'est vieux du coup là. J'avais lu que c'est le contexte de la guerre. Non, froide, non, mais là c'est l'histoire de la montagne. Ah ouais, c'est vrai. Putain, attends, je crois que c'était des avions non, de chasse en 1908. Les gars, ils commencent. Ah ouais, tiens, c'est pire que ça. Moi j'ai joué un petit peu tout à l'heure, 10 minutes histoire de prendre mes marques. C'est le volcan Eyjafjöll en Islande. Un truc de malade. Ah, une météorite qui a tué les dinosaures. En 1908. Carrément, moi je m'en rappelle. Hein. Tiens, y a la musique là. Ah ouais. Enfin, franchement, ça fait la musique de générique de MGS2, non? Putain, mais c'est clair! Ah, le temps qui défile en bas! Oh, 2012! En fait, c'est un truc qui vient d'une météorite, un truc extraterrestre. On est un peu à la. Regarde! Chaud! Il y a des Hellgast, il y a des liquidateurs de Tchernobyl et il y a des. Il y a du Dead Space avec des trucs qui poussent extraterrestres. Mais qu'est-ce que c'est? Voilà, ce la base d'MGS3 là! Ce jeu est génial! C'est juste sur PSN qui sort il y a quelques jours, sorti, ouais. C'est la démo cette fois, il n'est pas donné avec le PSN Plus, faut pas rêver, ils sont pas tous donnés. Putain, on incarne Rory Gibson. On incarne un agent de la CIA et là on investit une... J'aime bien cette cinématique en comique. Hein. Comics, ouais. Une base soviétique. Base soviétique. Et là on est en prison. Mais c'est des Hellgast nazis quoi, c'est pas possible. Donc tu vois, autant là, l'approche cinématographique, genre comme ça, la cinématique, ouais, un peu ouais, cartoon, ouais. C'est bien. Autant tu vois, le jeu il est pas très beau. Ah. Bon. Comment ça franchement, ça fait vraiment penser à Shank aussi au niveau de la violence. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Mais moi j'ai tout, pas hein. Trouvé très beau, j'ai joué un petit peu, j'ai trouvé que les textures étaient un peu dégueulasses des fois. Non, mais ça ne m'étonnerait pas. Hein. Au niveau du gameplay, par contre, vous allez voir, c'est sympa. Ils ont passé à beaucoup de choses. Après, je pense que ce sera effectivement la fin de la Demosaurus 25. Il y avait l'autre jeu là qui était aussi donné, Red Faction. Ouais, mais là ça va pas être possible. J'ai essayé. C'est trop pourri quoi. Il est donné, il y a la démo, il est donné. C'est quoi Red Faction Battleground, c'est ça. Donc c'est en gros des combats de tanks, je crois, normalement. Ouais, Vido, c'est la merde. C'est la merde, comme dirait notre ami Dick. Donc là, c'est le médecin nazi méchant qui injecte des... Ah non. Du sirop de menthe. Menthe ouais, extra glacée, fraîche, là. Extra fraîche. Fraîche. Non, je veux pas. Et là, tu vas rager parce qu'il est dans le coup carrément. Très sympa. Comme ça, t'auras la. Tout le temps, bonne haleine. C'est ça. Putain, c'est Hellgast comme il est. Attends, on dirait trop Mr. Bison de Street Fighter, tu sais. Oui, même. Ah, t'as regardé les textures comme elles sont. Ça y est, on arrive à. Ça y est, c'est moche, le couteau brille et tout. T'as vu la texture un peu? On dirait Army of Two, tu sais, 40 days. C'est clair, oh putain. Ouais, mais bon, là, c'est un jeu de PSN alors qu'en Army of Two, c'était un vrai jeu. Ouais, quoi. Mais c'est encore plus moche, là. Debout, le nouveau. Oh. Pas trop de discussion, on va dire. En même temps, dès qu'on fait un jeu en 3D. Sur le PSN, c'est voilà, c'est dur de faire des beaux graphismes. Ah, mais regarde, Prince of Persia classique, c'était oui. Plus beau quoi. Je sais pas, moi, j'avais dit Fat Princess, mais là, dès qu'on veut faire un peu réaliste, c'est moche. Non, mais les textures sont vilaines, tu vois, je l'ai vu. Mais peut-être qu'il n'y a pas que les textures qui sont vilaines dans ce jeu. Non, pourtant, le gameplay, tu vois, il n'y avait pas trop de mal. Bon, on va essayer. Moi, je veux tuer du russe au couteau, c'est ça? Ouais, tu vas voir. Ah, génial. Je suis pas mort, putain. Alors, avec le stick, tu vas voir comment il faut se déplacer. Avec le stick bas et t'avances en diagonale en fait. Putain, d'avance. T'avances doucement. Après tu peux sauter avec croix. Ils vont t'expliquer le gameplay. Attends, Big Boss MGS3. Ouais, non, mais c'est ça, je t'ai dit. Avec la coupe de cheveux et tout, ils ont vraiment. Bon, dommage, il a pas l'œil en moins, mais bon. Le premier jeu. Putain d'amateur, quoi. Hideo Kojima, tu sais. C'est clair. Non, c'est pas vrai. Non, fake. Donc c'est écrit en russe. Il écrit. T'es pas dans la merde. Il écrit bienvenue chez les ch'tis. Et là, il fait putain. Il écrit bienvenue chez les ch'tis. Et pas dans la merde. Alors là, il fait putain, faut que je retourne au sud. Putain. Vite. C'est bienvenu chez les ch'tis 2 la suite en fait. Ouais. Donc voilà, t'avances avec le stick vers le bas, tu arrives, il se déplace doucement. Voilà. Fais le chinois. Voilà, comme ça, là, le bossu, quasimodo, et là tu les plantes comme un porc, fais gaffe. Ok, d'accord. En haut à droite, t'as le radar. Magnifique, on incarne Morrow. Morrow. Morrow, tomorrow. Alors, on recule comme ça. C'est un peu le bossu, tu sais. Carré de que tu t'attaques, croix, tu sautes, et après c'est bon. J'aime beaucoup l'effet comme ça là. Ah non, ça va. Mais tu vois, il y a le lasing, genre, chaud le mec, ah ouais, il scintille quoi. C'est chaud quoi, il brille dans le noir le mec. Comment on fait là? Il y a pas le fond. Tu continues, okay. Non, il n'y a qu'un plan, il n'y a qu'un plan. C'est pas grave, ok. Il y a l'ennemi, doucement, et là tu es très long carré. Oh et voilà, Monster Kill. Combo 875 points. En bas, t'as le point ouais, en haut là. Putain, t'es Rambo les gars. T'as traîné de sang que tu l'as mis dans la gueule. Oh, cache-toi, hop.
Ouais, voilà. Et d'ailleurs, il y a l'ennemi en haut là. Je l'ai pas vu. Ah ouais, d'accord. Le E là. Le problème, c'est que. Oh putain. Qu'est-ce que ça fait? J'ai fait carré, il a éternué, tu sais. C'est vrai? Ah, et du coup, tu fais du bruit. Ah, il t'a sorti. Oh, mais c'est trop du MGS. Chaud. Je vais te planter comme un porc. Vas-y, plante-le comme un porc. Clear. Putain, je crois qu'il a des bras mécaniques, le mec. Ah, il t'a pas vu. Oh, t'as vu comme, franchement, c'est Konami. On... Oh, mais c'est énorme. Il a sorti. Mais moi, je m'éclate sur ce jeu, les gars, là. Attention. Ah, hein. En haut, là, fais gaffe. On dirait vraiment Dick Marcinko. Voilà, hein. Vous pouvez. Il y avait écrit quelque chose, t'as passé. Oui, c'était. Parce qu'il paraît que tu peux l'attraper avec le pied en fait. J'aime beaucoup ça. Ah, carré, il siffle, regarde. Ah, d'accord. C'est pour ça que je dis. Ouais, il siffle. Attends, là, avec le, la. La. Oui, t'auras des caisses de munitions. De L1, vie. C'est. J'ai trouvé 0 sur 36 les cristaux. Ouais, pour transformer ton corps. En bioman. Là, tu sautes et tu fais le joystick haut et voilà, il s'accroche. Et pareil, faut aller le tuer là. Ici. Mais non, pas encore. Mais je vois sur la map là. Il me regarde, il me voit là, pas. Là, c'est bon. Et là, attends, bouge pas, bien et sûr, on va faire carré au triangle. Un classique, il y a de la vie à gauche. La vie flotte et il fait tranquille, la vie elle flotte. Alors la vie, tu vois, tu la stockes et après tu t'en sers en fait. Triangle. La triangle. Boah. Monster Kid. Je lui ai mis le couteau au niveau du genou quoi. T'as le ragdoll un peu abusé ouais, quand même. Ouais, c'est clair. Hein. Donc là, tu fais flèche de bas et après croix. Ça marche pas, je crois. Bah, les flèches de bas alors. Tu peux pas la flèche de bas, c'est bon. Celle utilisée, d'accord. Putain, j'aime bien le. Franchement, ça me plaît, c'est drôle quoi. Ah, c'est marrant ces jeux. On bourrine tout, t'es avec ton couteau quoi. Là, faut sauter, fais gaffe. Flèche, ok. T'as le sang qu'il y a eu là. Fais gaffe, il va te voir. Voilà. Putain, il a même pas vu. Il passe pas devant moi, je fais triangle. Mais t'as vu, ils sont moches quand même, je gère les ennemis. Ah, ils sont très moches par contre, je suis un peu déçu. Parce que. Parce qu'ils sont. C'est dommage qu'ils ressortent, t'as vu, je l'ai planté, ils ressortent comme ça quoi. Ils sont un peu trop brillants, trop bleus quoi. Mec, ils auraient dû avoir des tenues. Attends, noires, en bas, il y a une mission. Merde, ouais. Oh merde. Bon, t'es vraiment, on dirait Mason là, t'es. Puis il est con, t'sais, l'autre il croit qu'il va ouvrir une cellule prison alors que c'est loqué, t'sais. Il est con, t'sais. Il y a juste écrit en rouge, en russe écrit appuyez ici si vous voulez libérer. C'est ça. Ouais, je sais pas faire. Dis-moi qui t'es, donne-moi ton ventricule. On dirait Rambo. On dirait Sylvester Stallone, les gars. C'est Stallone, les gars. Et lui, on sait pas qui c'est le monsieur Chang, le c'est fou. Non, c'est Moro. Ouais, c'est ça, ouais, mais je cherchais un mec qui ressemble. Et puis ça, c'est vraiment Stallone, même, par contre. Il a dit, on a reçu le même entraînement. Il ferait mieux de te bouger si tu veux aider tes amis. Et couramment, ils en ont vraiment besoin d'aide. Bon, ça suffit. Ok. T'as eu du sang partout, quoi. Regardez les mains. Ah, la main. Ah, le monster main, il a des mains de monstre. Putain, même si le jet sur sa GTA, ça, sont plus belles ses mains. Bon, ça, on va passer, ça suffit, Rambo. Quoi. Et putain, tu fais ce fils dessus, mais vite, il va violer, mais vite, ah putain. Je veux pas être chez les ch'tis plus longtemps. Et là, il te donne 5 euros. Mais change la main qu'il a, regardez. Ses mains vont au niveau des genoux, le mec. Ah, oh, les mains qu'il a. Ah, mais c'est normal. Non. On est en 2012. Ouais, c'est ça. Il y a eu Tchernobyl, voilà quoi. Il a bouffé des cristaux, mais il y a eu Fukushima surtout. Ouais. Ah putain, mais qu'est-ce qu'il est passé où le mec? C'est chaud. Récupère en bas la ville parce que. Elle peut te servir, à mon avis. Bonne sauvegarde. C'est pour la map. Ah, regarde, t'as des trucs triangles là, t'as eu. Là. Ok, celui-là. De ok, il y a un cristal. Cristal. Il y a peut-être un cristal aussi. Hein. Des cristaux. Hein. Ouais. Alors, on s'en fout. Bah, tu peux pas libérer, hein, a priori. Et par contre, tu fais le monkey fuck, hein. Il va te taire. Pas une valve. Bon, on fait le citron, on fait comme ça. Ah, ok, d'accord. Ok. Ah, oui, ça se fait dans certains jeux comme ça, oui. C'est pas mal. Mais MGS, encore une fois. Oui, c'est ça, oui. Mais dans d'autres jeux comme. Sauf fais gaffe. Toi, tu sautes dessus, t'es genre. Carré. Et non. Oh, vas-y, vite, finis-le. Oh, c'est bon, il est mort. Je finis le mec. je le chope là. J'aime beaucoup ça. À la manon, tu sais. Ouais, non, c'est cool ça. C'est quand même un peu l'éclat. Tout à l'heure, je l'ai essayé, je t'ai dit, il était. Les casiers d'MGS aussi. Il m'a plu un petit peu quand même. Même si c'est un peu moche, faut voir. Ce jeu, faut le prendre dans la rigolade, ce jeu, je pense. Mais oui. En même temps, je pense pas qu'il est sérieux. T'es... Coucou. Oh, la tête, c'est. Ouh. Je peux venir. Avec la tête. Et il dirait. Ouh. Ouh. Bon, t'es gentil, mais tu t'en vas maintenant. Ok. Oh, fais gaffe, t'as planté comme un porc. Putain, t'as... Oh, t'as la vie. Oh, je te redonne-toi de la vie parce que t'as perdu pas mal, gars. C'est bon, j'en avais. Ici, comme ça. Ici. Au pied. Merde, j'ai pas vu ce qu'il a dit. Ok. C'est drôle parce que le gameplay. Ah, il y a un passage en bas, je crois, j'ai vu. Le gameplay est quand même très fourni, hein. Non, il y a des marqués, faut pas tomber, regarde, il y a le panneau. Non, je te jure, j'ai vu un passage en bas. Attends, si je parle. Ok, bon, ouais, vas-y, tu vois. Si je parle pas. Oh putain. Il y a encore un monkey fuck. Eh ouais. Merde. Il y a un ennemi. Il me voit pas, si. Tu vois qu'il te voit pas, c'est. Je sais pas. Attends, il y a de la vie là. Ok. Oh, si tu m'attires à ça, en fait, il fait ça en fait.
Triangle, c'est les coups forts et croix, ouais, c'est les coups forts. Et mais tu vas mourir. Tu vas te taire, oui. Voilà, t'as, putain, je fais crever. Je fais crever. J'ai de la vie encore. Ça, toi. Pourquoi tu peux pas libérer? Je peux pas libérer. Attends, peut-être. Ah, mais sur le radar en haut, ils disent rien. Donc tu les laisses crever. Peut-être qu'ils servent à rien en fait, mec. Ok, ils grimpent partout. On prend ça faire ci, hein. Ouais. Hop. C'était par là, je crois, ouais, c'est ça. Ouais, c'est faut descendre, prendre l'échelle. Ça fait vraiment le mec, vraiment, ce contexte de guerre froide, là, on le retrouve, les gars, quand même. Hein. L'américain, vas-y, je vais tous vous niquer la gueule. Pas de jaloux. En tout cas, c'est. Bon, faut sauter sur les barres jaunes, hein. Attends, c'est quoi? Ah. Attends, c'est quoi? Une pile. De grenade. De grenade. R2 pour le jeter. Moi, ça me plaît, enfin, on jettera pas, mais genre, je m'amuse bien sur la démo, quoi. Oh. Allez, comme une merde. Attends. Combo débloqué, carré. Il y a le signe limite, c'est l'arme américaine, c'est les boutons et tout, allez. Putain, j'irai voir sur quel support était sorti à l'époque, ça peut être marrant d'y jouer. Ouais, ouais. Fake. Non, enfin, lui, plus que. Je suis pas sûr que les versions NES, ça doit être la NES sûrement dans les 80. Ah, elle vers le bas, tu vas te cacher. Oh. Ouh, je suis là. Quoi? Il est où? C'est. Ah oh, putain, mais. Oh, je trollais, t'as j'ai fait Trang, il t'a même pas tué. Oh, je suis déçu là. Putain, il y a un ennemi. L'autre. Jette une grenade pour voir. Oh, ça marchait là. Ça fait trop l'air, regardez. Ouais, il y a même pas d'animation particulière. Regardez, je flotte. Ah ouais. Oh, et là, attends, hop, je ressors. Ok, d'accord, vieux fake. Ce que j'aime pas dans le jeu, c'est le skin vraiment des mecs en face, des ennemis. Je suis un peu déçu. Si on va dire, non, je suis déçu, j'attendais mieux de ce jeu. En fait, t'es monsieur scintillant de comme Homer Simpson. Ouais. Non, mais surtout, ouais, c'est surtout le skin vraiment bleu clair, quoi. Les mecs, il n'y a pas plus moche dans la palette graphique, quoi. Mais ça colle pas, quoi, genre. Mais c'est ça, c'est la guerre froide est. Ouh, on est en bleu ciel, les gars, t'as vu trop guidé mon haut tendance qui brille dans la nuit. Avec mes chaussures, quand tu sais, quand elles brillent, limite, les chaussures, quand elles brillent, quand elles marchent, ça brille, t'es. Chaussures comme ça. T'as un mec là, vas-y, plante-le. Putain. Elle est énorme. Ouais, il a un AK-47. Tu le fous dans le cul, tu vois. autant marcher avec un sifflet dans le cul, hein. Putain, on va aller chier dans les prisons, t'es. Mais c'est un lessive tir, ça va être hyper chaud. Hein. Non, il y a pas. Hein. Je pense une grenade. Ah ouais. Vas-y maintenant. Grenade. Putain, pète direct. Tu l'as tué. Oh putain, je l'ai explosé le mec. Ok, Rambo. Il y a quoi à faire ici? Là. Ah, l'ascenseur. Attends, on est descendu pour l'ascenseur. Ok, bon, Rambo il est un peu intelligent parfois. Ouais, mais l'ascenseur il te met pas au même endroit. Regarde, c'est ça. Pas bouger, si. Ici. Grenade. Me parle pas, toi. Ok, on peut peut-être se baisser là, voilà. Ah, il y a un passage. On le voit sur le radar, ouais. Hein, qu'il y a un petit passage. Je pense qu'il y avait rien. Putain. Ah. Petit passage, putain. Et là, ça nous ramène en bas, faut tout remonter. Ah, encore ouais. Une fois, ça nous montre l'étendue, la grandeur de ce jeu. Non, mais ça montre vraiment de ressemblance trop à MGS quand même, parce que tu sais, dans les oui, petits. Mais c'est un bon point. Les canalisations, hein. Bah ouais, tu peux comparer. Quand tu compares MGS, c'est que c'est excellent. Quoi. C'est ça, mais non, c'est pas mauvais. Outre l'aspect graphique et le mauvais goût des ennemis. C'est sympa à jouer, quoi. Par contre, le mec, il ressemble plus à Shank qu'à ce Disney. Ouais, c'est ça, il a un couteau de boucher, les mecs. Putain, il y avait un cristaux. Tu vas mourir là. Rien. Même pas mal. Mais attends, mais j'ai même pas pu sauter. Alors, la reprise de partial, tu crèves direct. 8 fois, tu crèves. Oh putain. Ça me fait chier. Google Lite. Wow, MGS, mais c'est trop ça, quoi. Ouais. C'est drôle, mais Konami, quoi. Ça fait Shank, quoi. Effectivement, le. Je peux pas monter là? Non. Bah, y'a pourtant sur le radar, ok. Non, bah non, y'a pas. Ouais. C'est que j'oublie que c'est que de la 2D. Donc, t'as vu, y'a des passages plus ou moins secrets où tu récupères du contenu additionnel payant. Wow. Non, je vais pas y aller. Par où on y va du coup? Putain, y'a Jeanne d'Arc en photo. Mec, il monte tout seul. Ah, y'a un cristal, vas-y. Y'a un cristal, y'a peut-être un cristal aussi. Vas-y là. Voilà, deux. Et là, y'a plus rien, donc tu peux descendre. On va sur le radar. Rond, ça, il fait comme ça. Okay. Bon, mais faut que tu repartes, vas-y. On part, je pense. Là. Oh, t'es un peu perdu là, non? Attends. Un peu perdu, effectivement. Y'a rien. Ah, si, je sais aussi qu'avant que j'aille dans les cas niveaux, y avait des mecs. Là. Vas-y, descends, voilà. Là, peut-être. Tu viens d'où? Je sais pas. Attends, l'objectif il est en haut à droite, genre, t'as vu? On va aller là alors. Non, tu viens de là. C'est d'où je viens là. Mais ouais, mais regarde le point d'interrogation. Select, la map. Trouver la salle de contrôle de la prison. Ah, mais il y a la map. Attends, c'est moi-même, ok. C'est où? D'accord. Ah putain, c'est là. Faut que tu remontes et que tu continues par là, alors. Là, ce conduit-là, ouais. Donc c'est par où? Et l'ascenseur, tu l'as mis à cet étage.
Ah ouais. Donc il va te bloquer, donc faut forcément... rappeler l'ascenseur, redescendre 8 fois, faire croix au bas. Hop, attention, alors vas-y, on va continuer. Oh. Oh, attends, il est pas trop mauvais ce jeu. Non. Sympa. Après voilà, est-ce que vous avez envie de mettre 10€, c'est toujours un peu le problème quoi. On a un peu envie ah, de... Ah tu peux monter là, attends vas-y. Acheter les jeux, quoi. Tu peux monter, donc en fait il faut que tu sautes. Non, je peux monter. Si, si, tu sautes là, tu vas là-haut, tu sautes et tu pourras... Non, bah, sur le radar, y'a rien. Si, si. Ah si, là, ouais, ok. Là, tu montes. Et voilà. Voilà. Nouveau passage. C'est ça. Du burn-out explosif. Ok. Là. C'est lui, tu crois? Je crois que c'est encore plus haut, moi. Encore plus haut? On peut pas monter plus haut aussi. Ah si. Bah, okay, si ah mais là, on peut pas. Y'a rien. Ok, y'a rien. Pas mal. C'est chaud, comme mec, il aime pas mal. Rien. C'est la rigolade là. C'est un PD à côté, le mec. Ok. L'ascenseur est amené ici. Là. Ouais, mais faut que tu continues à monter. Évite de te faire repérer par les. Oh non, j'aime pas ne pas me faire repérer. Oh, au pire, il y a des renforts donc bon. Putain, ouais, attends, attends, essaye de la jouer tranquille. Oh, t'es fait repérer. Oh putain, et le mur s'est bloqué. Ah, mais là, j'avoue, je suis désolé. En fait, c'est pas mon but de me faire repérer. En fait, je pensais pas que le show de la caméra viendrait jusqu'à moi en fait. T'as un problème, toi? C'est les renforts. C'est des renforts, ça? Putain, il y a plus qu'un. Oh, yeah. Non, interdit de se battre dans les caniveaux. Voilà. Peut pas te battre, il vient pas, vas-y, tente-le un peu, provoque-le, tu sais. Viens, viens me chercher là. Est-ce qu'il y a les codes ou pas? Ouais. Oh. Là, prends-en de la graine, PD. Ah, je suis dans le ici. Et voilà. Comment tu l'as humilié? Attends, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe à la. Plus de caméra, maintenant. Ah, d'accord. Faut que tu me repères une fois, c'est usage unique, les bras. C'est vraiment pédophile, hein. Ici, je suis là. Merci. Ah non, je veux pas. Ça va toi? Ah, ils font tout le temps la même animation, ils s'accrochent au barreau, voilà, ok. Ok, d'accord, ils ont un champ de vision, c'est des gros myopes, t'es. Hein, vous êtes qui, monsieur? Ici. Putain, viens, viens, viens. Il t'a repéré, il va te choper. Oh, tu parles. C'est vraiment dommage qu'il ressorte, par contre. Ouais, enfin, il ressort comme s'il était vivant, en fait. Ah, il y a un passage en haut, t'as vu? Sur le radar, là. Là, ouais, là. Peut-être que j'amène une caisse. On va voir. Ah, oh, bah tu prends l'ascenseur. On prend l'ascenseur, c'est plus simple, hein. Moins de faire chier. Donc tu rappelles le prix, c'est. Entre 8 et 10€, hein. Je ne sais plus. Je pense qu'entre Prince of Persia, il y avait aussi Red Faction, tu sais. Donc quand j'ai pris les démos, il y avait les prix. Mais en tout cas, voilà, 8-10€. Bon, après 2€ près, si vous le voulez, vous le prenez, quoi. Mais là, salut. Avec t'as vu, il est pris. Il... Bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Oh. Mais je crois que ça sert un peu à rien cette vue, en fait. Je crois que tu peux te protéger. Ouais, ouais, je crois. Avec R2 ou L2. Vas-y, fais-le pour. L2, ok. L2. Attends, et là c'est quoi ça? Trouver la salle. Oui, t'es. Oui, t'es. Non, oui. Elle est là, droite. Oui. Je sais que non. Non, je trouve pas la salle. Alors. Ennemi en haut. Ah, mais tiens. Je suis pas sifflé. Ah, il y a de la vie. Reprends, mets-toi de la vie et va le chercher la vie. Ah, c'est parti. Attends, par là. Mais non, c'est là-haut. À gauche. Ouais, non, je pensais qu'en fait qu'on pouvait accéder, mais non. Il y a un problème. Putain, il lui plante le mythe ou quoi? Il tombe, il est désarticulé le mec. Et quand je te parle pas, je prends juste la vie. Ah, tu peux monter là, non? Ouais. Si, si, il y aura un passage secret. Non, j'aime bien parce qu'il est quand même. Non, en fait, c'était le passage de tout à l'heure que t'aurais pu faire. Ah ouais? Ouais, regarde, t'aurais pu éviter tout le combat. Mais pourquoi éviter le combat? C'est la seule chose marrante de ce jeu. Bah ouais. Il dit quoi lui? Il dit, moi une fois j'ai compté jusqu'à 1. Non, comme quoi tu vois, tu peux jouer infiltration ouais, à fond. Et ça, c'est quand même sympa. Même si, vu le couteau du mec. Bah, mais le couteau, c'est même plus un couteau. C'est un couteau, c'est une épée quoi. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est là le point contrôle. Ça y est, c'est le poste de frontière pour quitter. Bienvenue chez quitte le Nord. Je peux appuyer sur le bouton vert. Et il met sa main devant, mais ça marche pas. Oh, putain, mais t'as vu la gueule de tes mains aussi, mec? C'est clair. Attends, oh putain! Il parle à sa main. Chaud. Il avait les doigts retournés, tu sais. Ah non, il parle à Stallone. Stallone, il sait faire, il est y aller. Tu vas avoir besoin de 2 gardes de sécurité. Non, Rambo, il est y aller, tu sais. Ouais, je me rappelle la prison. Une fois, c'est la merde. Hein. Des 2 officiers, tu sais, c'est drôle, t'as besoin de 2 gardes, donc c'est 2 officiers. Est-ce que tu comptais jusqu'à 2? Et lui il a des méga couteaux. Wolverine, un peu la Wolverine, il s'est raconté. Ils sont moches les ennemis, hein, je suis déçu. Moi je m'entendais à des vrais gros russes quoi, alcooliques, tu vois. Trouver la salle de contrôle, objectif atteint. Je bossu quoi. En tout cas, ce jeu est drôle. Hein. Faudrait pouvoir les mordre. Enfin, nous on a une approche humoristique de ce jeu en tout cas. Vas-y, pousse-le. C'est ultra assisté parce que même s'il m'attaque de face, je fais tellement ça le partage en 3 quoi. Ici. Ah, il fait le show lui, qu'est-ce qu'il fait là? Mais il existe devant lui, non, mais il s'est arrêté en fait. Ah, elle, carré, moissonneur. Ah, ok, d'accord, c'est ça, ça fait une onde de choc.
Sympa. Oula. Oui, je l'ai cassé, mais tu peux pas la prendre. Mais tu peux peut-être monter, il y a peut-être un bonus stage. Ah, mais faudrait, d'un coup, je bloque le double saut, je l'ai pas débloqué. Je m'en sonne maintenant, allez, c'est bon là. Ah, essaye de pas te faire opérer. Voilà. C'est gentil, tu sais, y'a plus dur pour ne pas se faire repérer. Hein. En tout cas, la caméra ressemble à rien quoi. Ouais. C'est plutôt une lampe torche. De chantier ou dans les mines un peu quoi. C'est classique là. Pouah. Et voilà la nuit. Oh, ça c'est cool. Oh, c'est jouissif à souhait, comme dirait notre ami Alex du Québec. Hein. Ah non. Ah, la vie. La vie, vraiment. Petit con lui! Il t'a touché ma trousse de soins, hein, putain, c'est la seule qu'on devait se partager pour toute l'espoir! Vas-y, dégage, j'ai pas envie de te taper! Fais gaffe ta vie, fais gaffe ta vie parce que tu perds beaucoup de vie! Il se protège, je me suis donné de la vie! Mais c'est protégé, il a fait. T'as vu, il te touche quand même, ça te fait mal! Hein. Ouais, c'est comprendre, c'est normal quoi! Au niveau des ratios des coups. Ça, vu la gueule des lames qu'il a, on n'est pas invincible! Hein. J'ai eu de la chance de pas mourir jusque là en fait! J'ai fait un stage commando chez Wolverine! Vas-y. C'est chaud, ils ont des lames plus grosses que moi. Encore des Nagoogles, mais on s'en fout, sérieux, tu les revends sur les bleus quoi. Ouais, attends, je vais. Hop. Non, tu peux aller reprendre. Ok. Mais en plus, ça sert à rien, regardez, on voit pas trop bien. Bah, je vois pas l'intérêt de. Dans les conduits, peut-être plus tard. Ouais, mais. Même, ça sert à rien, tu sais. C'est pour faire un ami, les gars, quoi. Sans lampe torche, appuie sur carré triangle si vous êtes. Bah, je sais, une attaque furtive. Ouais. Bah, non, on voit même pas, t'as vu dans la truc. Bah, on voit pas. Ça sert à rien, quoi. Bah, vas-y, y'a la lampe halogène qui t'éclaire là. Attention. Y'a un mec, y'a un mec! Ils y voient vraiment à un mètre les mecs. Hein. Avec ses yeux, ouais, le mec a des yeux, c'est une top. Monsieur Top! Et voilà, viens ici! Et il faut que je m'habille comme lui, tu vois, ce serait un vrai Rambo là. Ah ouais, putain, vas-y, infiltration. Oh putain, je fait qu'il double le champ de la caméra. Ah, y'a deux caméras là. Pas les caméras. Elles sont vraiment moches. Vas-y, maintenant! Mais il me voit même pas aussi! Bouge pas, bouge pas, bouge pas. On va étudier la situation. Je n'ai pas de grenade. Maintenant! Vas-y, vas-y, y'a plus de caméra. Mais voilà, putain, oh, un triangle en courant. Pouah. Ok, d'accord. Oh, t'as alerté comme un noob. Le gros bide, tu sais. Y'a personne. Le mouvement d'attente, y'a personne. Ah, le bide de la larme communiste. C'est ça, quoi. Putain, communiste de merde. J'ai même le temps de laver mon couteau. Oh, attention, ah, j'arrive. Oh, le four. Ça y est, c'est en retard. Je prends ton copain, je le dénue, comme ça je le plante. Oh putain, des deux côtés. Oh putain, je crève. Et non, je crèverai pas. Ah mais vas-y, saute de. C'est bon, j'ai la griffe du diable. Griffe du diable. Qui c'est qui veut goûter à la griffe du diable? Ok, faut ça que je récupère. J'ai encore 3 de vie, oh, c'est bon. C'est bon. Oh putain, oh là là, magnifique ça. Oh là là, oh putain. Putain, c'est quoi? C'est quoi? Un gilet par balle. Un gilet par balle. Bon, t'as un problème toi? Il se relève. Ah, je l'ai mis, oh je l'ai équipé, regardez comment il est équipé comme un parachute. Ah, c'est trop... l'idée ce jeu quoi. Bah, il est marrant ce jeu quand même. Ouais, double saut et tout, putain. J'ai trop envie de faire ça. Eh le gros russe. Ah, mais je pense, tu vois, quand même, attends. Pour des jeux qui valent 8-10 euros. Il est beau, hein. Je pense que tu t'amuses quand même. Ah, mais je pense que. Ouais, il joue chaud le mec, t'as vu? Il joue chaud contre le mur aussi. Il est pas mort, c'est un boss. Parce qu'il a celui qui a la carte. Oh, voilà, t'as la carte. Ça l'a achevé, t'as vu? Il a sauté dessus, je vais te planter comme un porc. Moi, franchement, moi j'aime bien. Franchement, ça, les 8, je pense que ça les vaut. C'est bon. Regardez. Je suis con. Je suis juste con. J'ai par balle. Pour faire quoi? Pour le combat. L'échelle. Ah ouais. Non, mais voilà, 8 euros, voilà, on s'amuse, c'est ce qui compte, comme on l'a dit dans un jeu. Ah, ok, mais tu reviens ici. Par là, peut-être, non? Bah, je sais pas, voilà. J'adore les ennemis. Ouh. Double saut. En fait, j'ai pas mal, c'est communiste, c'est un carton. Oh là là en fait. Là, c'est clair. Ah, c'est du carton qui met le mec. Carton de McDo quoi. En bas, il y a un truc là. Point de c'est pas un panneau de. Peut-être aller là alors. Parce qu'en bas, c'est l'objectif, non? Ah non, c'est un. Non, l'objectif, c'est en haut. Ah, c'est un objet. Hop. C'est de la vie. Cool. Oh, t'as un gilet pare-balles, t'as vu, ça fait jaune sur le truc. Il va t'attraper, fais gaffe. Il appelle ses potes, le communiste de merde quoi. Il a fui. T'es ici, lopette. Mais les. Quoi, c'est débile. Oh, c'est débile, il allait remonter. Il allait remonter, hein. Bon, on descend là. Hop. Encore qui sert à rien. Vas-y, mets-les pour voir. Allez, on va justifier. Elle s'utilise même pas en plus, je crois. On va les justifier, voilà. Bah, ça sert parce que sinon, on y voit pas, regarde. Notre mec il brille déjà, alors à la base, y'a pas de problème, hein. On va l'enlever parce que ça devient sérieux là. C'est trop facile, ça. Ouais, c'est facile quand même. C'est assez facile le jeu quand même, hein. Ah,
c'est facile les potes. Vas-y, là. Attention, dessous là, voilà. Non mais tu peux monter la plateforme. Oui mais elle redescendait pas à fond en fait. Là il y a un autre, ça suffit maintenant. Là peut-être, je suis pas allé là. Même l'objectif il est pas là du tout, faudrait voir par rapport à la carte en fait je pense. Ouais parce que là on fait un peu le Rambo qui se promène hein. Le Rambo chaud. Ah, des grenades, cool. Non, c'est des vraies grenades. Ouais, c'est des vraies grenades. Bah si, ça ressemble à des bouteilles, on dirait des bouteilles d'huile, tu sais, ou je sais pas quoi. Mais la justification, c'est des grenades russes, en fait, c'est pour ça. Là, genre le mec, il fait la Ratchet & Clank, quoi, il grimpe partout, quoi. Le mec, il brille dans la nuit, ça sert à rien. Puis, pourquoi on a autant de lunettes alors qu'elles ont pas l'air de s'épuiser, en fait? Bah non, y'a pas d'énergie. Quoi. Pas de batterie, quoi. Y'a pas vraiment de danger. Putain, je te déchire la. En même temps, t'as mis mode recrue aussi, c'est pour ça que c'était pas très dur. Non, j'ai mis normal à la fin, je crois. Ah ouais? Attends, je sais pas du coup. On s'en fout. Non, mais c'est pas grave, t'as même. Ah ouais, je sais pas du coup, mince. Non, je crois que j'ai mis normal en plus. Bon, on verra bien dans la vidéo. Bon, au pire, on galère pas quoi. On s'amuse. Y'a rien à faire là. Oui, grimper. Là. Attends, j'ai compris. Ah, mais t'es déjà venu ici, non? What's up? Attends. Si t'es déjà venu, je crois ici. T'es déjà venu là. Alors, le radar. Tout à fond, à gauche, ok. Ici. Ah, d'accord. Mais c'est bon, t'as déjà débloqué la carte alors. Ouais, donc comment on fait? Mais d'ici, tu vas à gauche. Ok, donc je vais à gauche. Allez, c'est parti. Ah, c'est par là, je pense. Vas-y. Putain, je sais plus du coup si je mets en recrue ou pas en fait. Bon, on s'en fout. Ouais, c'est pas trop grave. Ouais. En tout cas, ça a l'air pas trop dur. Mais ouais. Bon, voilà, faut quand même. Pas faire le fifou. Comme ça, on s'amuse au moins, hein, même si c'est en recrue, on s'amuse, on défonce tout quoi. Ouais, c'est ça. Allez, je vous baisse tout, ça sent. Au même endroit en plus, hein. Ouais. Attends, je vais ouvrir ma carte, donc c'est par là. Ah ouais, mais d'accord. Oui, c'est juste là, c'est pour ça. Ouais, et après, il y a le point d'extraction, je sais pas quoi là. Ah, on avait dû descendre tout de suite en fait, c'est pour ça. Ouais. Ok, donc venez. Venez me chercher. Je les enchaîne tous. Pourriture. La musique elle s'est arrêtée. Ah, c'est bon, tout droit. On fait du lancer un peu de hit. Ah oui, t'es descendu en fait, il suffit juste d'aller ici. Ouais, c'est ça. Ouais. Et toi, on est parti à gauche comme des cons. Ah, non, c'est bon. Mais c'est d'où on vient en plus là. Attends. Waouh. D'accord, non, mais il faut aller en haut là. En bas, non? Non, en haut. C'est ici l'objectif. Ouais, mais on peut pas y aller, regarde. Bah, si, forcément. Là où je fais, c'est une porte qui redescend. T'as peut-être un monde charge là. Ah, si, y a un truc. Ah mais j'en ai qu'une ma carte magnétique. Ah ouais, donc faut redescendre quoi alors? Prends l'échelle, regarde l'échelle. Non mais non. La deuxième elle est là, ils disent, donc en fait faut passer par en bas. Donc faut que j'aille la grande échelle, je descends, je vais à gauche. Je prends le monde charge, il m'amène là et là en fait. Mais vas-y alors. Ok, donc c'est parti, j'ai dit quoi là? Bon après on va pas tarder à s'arrêter. Ouais. Juste voilà, faire une petite vidéo de 30-35 minutes sur les aventures de Dick, ouais. De Rambo quoi. La suite de Dirk Marchinko. C'est ça. Attends, est-ce que c'est vers là? Ouais, c'est bon. Ah tu vois, il y avait bien la plateforme là, le monde charge qu'il faut le prendre, il faut prendre ça. Tu vois, il y a des ennemis à gauche, c'est bon là. Je suis dessus, vas-y viens là. Alors, là il faut la prendre après. Là, et tu sautes. Non, après, celle-là là. Vas-y. Ah wow. Genre elle va pas tomber elle. Ok d'accord, le gros bide. Je trouve en fait il a fait un saut super haut du coup. Reprends-la. Il bouge pas lui. Bah non, il t'attend en fait. Il m'attend, il fait non, je vais quand même l'attendre. Mais tu vois, peut-être que t'aurais dû redescendre parce que tu as failé là. C'est pas grave. Voilà. Bon, il est où le mec? Oh, 5. Ok. Ah, c'est juste un cristal en fait. Bah oui, juste en dessous du coup. Juste en dessous. Là où il y a les deux ennemis, t'en fous que tu les tues donc. Là. Trop facile. Collector. Vas-y là, hop. Toi pareil. Attends. Quelle est l'utilité du gilet pare-balles? Ouais, c'est pas grave. Parce qu'il est tellement musclé qu'il lui faut du poids, sinon il trouve que c'est trop facile. Ouais, sinon il faut trop. Il partage les mecs quand il les touche en fait. Donc, il y a du sang partout. Allez, vas-y. Bah, c'est. Les jambes, toi. Là, il y a quoi là? Il y a rien. Hop là. Classe. Vas-y, hop, cache-toi. Il y a deux ennemis, cache-toi. C'est le boss. Ah, c'est le boss. Hein. Tout est là. On peut pas les projeter, on peut pas les attraper? Bah, en courant, si. J'ai fait l'attaque de l'ours griffé, c'est bon. On a gagné une carte cible. Ouais. Bon, mais je pense que tu vas ouvrir la porte, on va s'arrêter là. On va appeler ma mère en Birmanie. Parce qu'on va pas non plus finir le jeu. Juste, on va finir l'objectif, donc faut que tu récupères. Je sais pas si la démo est longue en fait. Voilà. Là. C'est une démo? Oui, c'est une démo toujours. Hein. D'accord. Faut que je refasse machine arrière alors. Ah non, vous pouvez passer par tout en haut. Bah, vas-y, bah oui, mais tu redescends. J'ai pas réussi.
Là. Si, là, tu vois, il y a un truc à sauter. Là, là. Oui, mais regarde. Peut-être que. Ah, il grimpe au mur, lui. Il grimpe au mur. Saute et hop. Oh voilà. Là, trop facile. Et là, t'arrêtes directement l'objectif. Nickel. Et voilà, on continue. Tu continues donc là. C'est toujours le même univers, les mêmes mecs handicapés. Oh, ils ont quand même un lance-là. Je veux pas, je repars. Ouais, tiens, il jante des stylos bic. Il vient. Non, mais il vient. Il vient. Fake. Il t'a oublié déjà, quoi. J'en tue un par un. Il y en a pas un qui va me chercher dans l'escalier quand même. Ah mais c'est vrai que c'est là qu'il repop infini. Oh putain. Tu vas mourir. Et là j'y pars mal. Cache-toi. Oh, t'en donnes la vie, t'es mort. C'est censuré les gars. On voit pas ce qui se passe. On voit juste des couteaux. J'ai tellement censuré qu'il est parti le mec. Ah bah on l'a tellement coupé en deux. Chaud. Il m'a bien défoncé quand même. Ouais, il t'a pas mal défoncé. J'en ai deux. Et voilà, ça sert à rien d'aller ici. Ça sert à rien. Si, faut si. Monter. En haut là. Ouais. T'es mis, monte. Chaud, il grimpe au mur le mec, t'es sans Spider-Man, problème quoi. Tu me tiens ça, je vais monter au mur. Ok, si tu veux quoi, pas de problème. C'est cinématique les gars. Allez. C'est comment qu'on fait péter? Appuie sur le bouton rouge, t'es. Il est au milieu, t'es la console. Bon. Le bouton noir au fond à gauche déjà, on va voir les cellules. Mais faut, moi j'aurais pas ouvert aux mecs, ils sont un peu dérangés, rad. Ils ont pas de gueule et tout, tu sais. C'est mes potes. Je suis patriote, moi. Je suppose qu'on a un américain en fait qu'on va libérer, quoi. Mais j'adore Rambo, quoi. C'est un Stallone. Il y a quelque chose qu'il faut que tu vois. Ok. C'est où la caméra 13? Bon, ce bouton rouge. Bouton là. Fake. C'est le jaune. Et là. Ils ont des missiles nucléaires, ils peuvent bombarder la Chine. Ils ont des fusils bizarres. Des fusils sniper d'assaut, quoi. Oh merde, j'ai qu'un couteau. C'est pas grave. Tu crois qu'il y a un couteau après? Tu crois que t'as des armes? Je sais pas. Ils ont toujours le codex comme dans MGS, hein, c'est ça. Bon, j'ai pas envie de dire Rambo moi. Allez. Ah, c'est fini. C'est fini. Ah, voilà, tant mieux, ça la fin. Donc, choisissez votre propre style, ouais, c'est vrai. Non, c'est pas trop mal. Surtout que là, c'est le début. Je prends des défauts, hein, des combats. Regarde, des combats, y'a même pas d'ess à combat. Furtif, y'a pas d'ess. Oh les gars, moi je continue, alors c'est bon. Ah. On peut continuer en fait. T'as acheté le jeu, je crois. T'as merde, ça a acheté. T'as appuyé sur carré? Non, j'ai fait croix. Ça c'était le jeu. Continue. Putain, c'est comment ça se fait que hop, bon, on va s'arrêter là. Hein. Parce que nous on s'arrête à la première pub passée, maintenant c'est fini. Ouais, c'est fini. Ils étaient genre, tu veux continuer? Non, non. Bon, en voilà, tout cas, ça fait. Plutôt sympa. Hein. Ouais, ça va. Drôle. Franchement, drôle. Hein. En tout cas, si vous prenez ça au sérieux, vous êtes foutus, mais c'est drôle quoi. Ah, oh, bah tu peux jouer Total Infiltration aussi. Ouais, hein. Ouais. Mais bon, vu la taille du couteau, comme on l'a répété, et la violence d'exécution, on peut dire qu'il y a quand même pas mal de gameplay au niveau de se cacher derrière les. Dans le sol, dans les sortes de casiers, les zones d'ombre, il y a des caméras, c'est assez sympa. Hein. Ouais, ça va. Et c'est pas trop linéaire parce qu'il y a plein de petits passages. Et pour un remake d'un jeu qui était sorti dans les années 80, c'est pas de la merde quoi. Ouais, ça coûte pas très cher, c'est achetable quand même. Hein. Ouais. Voilà, bon, on va se quitter là pour les Démosaurus épisode 25 hein, avec deux jeux à scrolling horizontal. Et deux vieux jeux vertical, fait refait, quoi. Allez, on vous dit à bientôt alors. Merci, au revoir. Au revoir. That I need, oh, is the one that leads back to you.